communauté. Le communauté plus riche du monde. Le communauté plus vaste. C'est la communauté comme ça. On dit que c'est présent, il va partir. Il va partir. Wallahi, imam me de fois meta étape par étape mo pe forama mo chama fe chama fo alhamdulillah anya ka do fesmi akira te dola au de fois ababla jagoya atake ababla e pala
Femme yes mala so ma chita fa ki wolo fa so ma chita fa ki balma so ma chita fa vrai aki re so no e chen smala si se ala ka nyuma se ke ama ala ka nyuma se ke ama ma mugani saba mi sara jamana ko ina vraiment ala ku shu ko kosuma ala kaburu dali ku man nemay ala ka ku man nemay demo sene munu jugera ser de façon expéditive ou de kaso ba mala halisa nu be ala ku nyuma bo ala ku nyuma bo ala ko lo de do on le peut fondre pied en me crema mais halisa vraiment ango foli ke go barka dawe e sumela si se ala ka nyuma se kama ali tiani braji je ne sine ba fo ambe kelenye ba on ensemble et la lutte on va plus s'asseoir mogi sa okana ouais baissé ouais eh jeune Vas-y, très rapidement. Ouais. Bon, Jack Boire, aujourd'hui, on voit que vous êtes vraiment motivé. Oui, oui. Ibe Kenekono. Il sait qu'il y a information du Mendama. Est-ce que l'armée s'est impliquée de voir? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, est-ce que l'armée a pris le contrôle ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais alors, tu as fait un peu de temps. On est sorti pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour dénoncer que le Mali n'a pas la souveraineté économique, pour dénoncer que le Mali n'a pas la souveraineté éducative, pour dénoncer que le Mali n'a pas la souveraineté sanitaire, pour dénoncer que le Mali n'a pas la souveraineté sanitaire, éducative, énergétique, l'autosuffisance alimentaire. Malem Medunga face à Batiaga Doron. Le peuple a compris Mali qui a porté. Le Mali m'a porté. Mais demain, je suis un enfant. Il n'y aura aucun gouvernement, il n'y aura aucun régime qui va être loyal, qui va être honnête, qui va remettre les conditions, qui va mettre les conditions en place pour son peuple, tant que le peuple ne s'assume pas. Amaye Wafoye, pour l'esclave qui ne lutte pas pour sa liberté, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Amokmamea. Mais ce que tu aussi l'a dit, il a dit qu'il ne veut l'indépendance de la pauvreté. Que l'opinance dans l'esclavage. Nous n'avons pas en contact avec l'armée. Nous, on n'est pas en contact avec l'armée. Comment on manipule? Mais l'armée aussi est consciente. C'est une armée consciente. Ils ont compris. Alors, on est dans le monde, on est dans le monde. Mais il faut que tu aies un nom. Il faut que tu aies un nom. L'armée pour la Bika, il faut que tu aies un lafia. Il faut que tu aies un lafia. Parce que JMB, Benaka, JMB, même la France, elle connaît que Mali, ça ne va pas. Même tout le monde ne connaît pas Mali, ça ne va pas. Même les gars ne connaissent pas Mali, ça ne va pas. Ah, si ça ne va pas, quelle est la solution? Qu'on s'élève pour que ça aille. Mais ça ne va pas évident, ce qu'on a évident, mon ami. Il y a Faden Kennedy. Faden Kennedy, il y a Nemoumana. Nemoumana, il y a Faden Adatori là. Et Faden Todou. Le peuple est là. Maman, nous mettons à Barigadon, Doudo, Alado, Orondo. Tant que la démission m'a confirmé, on met l'air dans on est là où tu l'as télé, à la démassaille. Mais ça me met à la tona. Alors tu l'as pas en cabine, un calaoué. On fait dire des séries. On met la démission, on met sa fausse série la fiala. Vive le Mali! Bon, ok, parlement malien, on arrête le voilà. Le slogan de la jeunesse malienne. Thank you.
comme vous l'avez constaté déjà, les partisans de Ismaïla Cissé ont vraiment aussi pris l'assaut pour demander la libération pure et simple de Ismaïla Cissé. Selon eux, Ismaïla Cissé serait en otage du régime Ibrahim Boubacar Keïta. Donc ils demandent sa libération pure et simple. Restez toujours connectés. Salam alaikum, salam alaikum. Il faut une persie. Malin pour la bigaloua, j'en ai pas au boulot là. J'en ai mis un bébé, pardon, à Jouna Mouachila. Et tu as ce que tu as fait pour aller à Giga, j'en ai au boulot là. Ma femme, j'en ai un père Jerry. A tia ma chita, oui. Ma femme, ma graisse à Jamana Beta et Kitao. J'en ai un peu de ni à un bema. Abonnez-vous maximum sur IBC. Partagez maximum la vidéo. Vraiment, je vous demande de vous abonner. Encore une armée soutenue, ou une population soutenue. Papa, vraiment, malgré le côté peu comoro. Petit boy. Allô. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, allô. Oui, ça va. Ça va. Ouais. Allô? Oh, vas-y, interge. Voilà. Voilà, interge. C'est un peu de temps. Ça n'est pas un peu de temps. Oui, c'est 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 un peu Ama wuliko ibeka mandi anye ama wuliko foti foko ame ibeka kontrola me bi an wulila da nga jamana de be bolola manga jamana be bolola nga jamana be bolola togodi nan turata ki beka betoni wakati da an kuna foka na se akamana balima mali bina ga togodi e mi frani e bi ne mi frani an fauni ibeka nui wonde mali din to anye ibeka wude fawe mali to ibeka nui me mali beka ta trabolo mina nayan sikita sine ni ne amna muneto andoyi e pi zawara meka munaje Anga jamana beka bafoué dongodo, armé beka fera n'importe quoi ma fuga fuga fuzi de taille d'entrée. Avoir quoi armé bedo saya de kama. Je suis d'accord, bedo saya kama. Mais est-ce que saya soukou m'infora armé kono? Mi beka ga armé la baisse ou de niwa. Anya beka ta kuminga ma 2013, 77%. Est-ce anya ta kuminga ma kune ni? Donc, ou de grand beaucoup yebi, kelete, woyote. Kaira ibeka la anta kontrola anta malu kontrola amana chiali la me anga jamana kaira ma horo ya abesoro chodi anana de kanga jamana irekipere mazi nanga jamana ma irekipere jamana ni perde amulo kaba don ango guno ebi kabo kana anga niso goya ira bi ni beka sera ka famia vraiment abeja onye na mazi ka famia bo tekabulo nwa ka laje semaine ngire ngono semaine fla semaine saba mugo bebo kana bo kana manga suguchi est ce que ni côté no ni mesaka kewa mugo mi ta 2013 là, numéro 1. Moi, million frères de votre Ibega et Katagas qui fanga là. Moi, moi, million frères là. Mais moi, million de quoi de Bega Boy, Ibega Fanga, Cardin, Tafuka, Fanga, Mai. Mettez-vous au Laganga, de quoi Fanga, Trabolo, Mai. Et bien, ne voudrait Bega. Beurre de forme à voter Ibega, Francis m'a voté, Sidon m'a voté, Union Européenne m'a voté, Malon de Foutaï, mais c'est Malon qui a fait Bega Kawa. Donc, Malon qui a fait Talakaka. Donc, on est en Bobi, Kabobi, Kalante, non, la Galate, merci de guerre. L'armée arrive, je crois, l'armée arrive. L'armée arrive, François Nalé. L'armée arrive. L'armée arrive, l'armée arrive. L'armée arrive, sera souvenale. L'armée arrive. 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 Je vous dis que l'armée arrive. L'armée arrive, l'armée arrive. L'armée arrive. L'armée arrive. Je crois que c'est fini, c'est fini. C'est fini pour le régime Ibrahim Boubacar Keïta. 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 C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka.
Ibeka. C'est fini pour Ibeka. Je crois que c'est fini. C'est fini pour Ibrahim Boubacar Keïta. C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka. C'est fini pour Ibeka. Je crois que c'est fini. Le régime est fini. L'armée est venue en pompe. C'est fini pour Ibeka. Je vois le lieutenant, je vois le lieutenant des gardes de la prison centrale qui a une arme en main. Le lieutenant Konaté, je le vois. Je vois le lieutenant Konaté de la garde de la prison centrale qui a une arme en main. Je vois le lieutenant Konaté. On va le suivre. On va essayer de les suivre. On va essayer de suivre ces militaires. On va essayer de les suivre. Restez connectés. Vivez ce temps sur IBC. Le lieutenant. J'ai vu le lieutenant Konaté. J'ai vu les gens de la Forsat armés jusqu'au bas qui font des tirs de sommation. On va aller au niveau de l'Ouartiam, rester connecté sur IBC. L'information sur IBC, c'est une vraie information. Information mettre maintenant, IBC s'en fait, tiens le dos. Donc, tout porte à croire que l'IBK c'est fini. Le régime de la Djibril Boubacar Keïta prend fin aujourd'hui. Le régime de l'IBK prend fin aujourd'hui. Régime, ça prend fin aujourd'hui, comme vous le constatez. Je crois qu'il se dirige au domicile de l'ancien ministre Salifou Traoré. Vous voyez que Salifou Fouffé, je crois, se dirige là-bas. Il se dirige. Il part chez le ministre Salif, je crois. Je crois au Bégata Yenori. Il part chez le ministre Salif. Toujours des tirs de sommation. Toujours des tirs de sommation en courant. Heureusement, j'ai eu un motocycliste. Où est Salif Oukadal actuellement, je crois. Peut-être ils sont venus récupérer. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois oui. Oui. Général Salif Traoré Garo là. Ouvega Salif de Mine. Bon, moi je vais aller parce qu'il y a un barado. L'information en temps réel. Les militaires sont là pour. Je crois les militaires sont là pour une arrestation. Techniquement, ils sont au domicile de Salif. Tout porte à croire qu'ils sont venus chercher Salif. Tout porte à croire qu'ils sont venus chercher le ministre, l'ancien ministre de la sécurité Salif. Tout porte à croire qu'ils sont venus chercher l'ancien ministre Salif Traoré de la sécurité. Tout porte à croire qu'ils sont venus chercher l'ancien ministre Salif Traoré. Où n'a Salif Traoré fait à son domicile, je vous disais. Porte à croire qu'ils sont devant Salif Traoré. C'est la presse. Bravo à l'armée malienne. Nous sommes devant le domicile du ministre Salif Traoré. Nous sommes devant le ministre, devant le domicile du ministre Salif Traoré.
Donc vous attendez le coup de feu en direct sur IBC. Vous attendez le coup de feu en direct sur IBC. Nous sommes devant le... Ok, donc tout porte à croire qu'ils ont été tous arrêtés. Salif a été également arrêté, comme tous les autres ministres de la République d'El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta, ministre Ben Minana, là où je vous parle, selon la confirmation d'un militaire devant la portail de Salif, devant la portail du général Salif, ministre Ben Minana, Mali ministre Ben Minana, Fama Ben Minana, Gaba. Ou bien Minana Gaba. Avec mes salifs de Gadalata. Fanga bien Minana Gaba. Fanga mora bien Minana. Selon le renseignement des militaires qui viennent de me donner un renseignement, Salif a été arrêté. Tous les ministres, les Moussa Diawara, les patrons de la sécurité d'État, ou bien Minana, à travers ces nouvelles juntes dont le peuple réclame aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en direct sur IBC. Les militaires ont arrêté Salif, ils ont arrêté Moussa Diawara, ils ont arrêté Tapo, ils ont arrêté même Tchèblé Dramé. Aujourd'hui, les militaires... Donc comme vous le voyez, ils ont été tous arrêtés. Ou Ben Minana. Francis, ministre Ben Minana, tous les gouvernements d'Ibeka ont été arrêtés. On entend maintenant... On attend l'arrestation de El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta en question. Attends pour le voilà, un point sur en direct sur IBC. Partagez, abonnez-vous maximum sur IBC. Partagez maximum. C'est en direct les Bré Rouges qui sont là aujourd'hui. Restez connectés. On va suivre l'actualité en temps réel. Donc le général Salif a été arrêté, mais le ministre Tapo a été arrêté, Tapo Minana, Salif a été arrêté, Moussa Diawara a arrêté, tous ces généraux, toutes ces personnalités ont été arrêtées. Donc... La mutinerie a réussi au niveau des militaires. La mutinerie réussira là-bas. Donc... Partagez, nous voulons 100 000 téléspectateurs en live. Donc, le régime El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta à Banabi. Il n'y a qu'à faire à Banabi. Parce que tout porte à croire que toutes ces personnalités ont été arrêtées. Ou bien, il n'y en a qu'à bas. Tout porte à croire que le régime El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, dans son entité et dans son entier, ou bien arrêtera. Là où je vous parle, les militaires sont là. Les militaires sont là à dire c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le peuple malien a gagné, le peuple malien a gagné, c'est fini. C'est fini, le peuple malien a gagné, le peuple malien a gagné, le peuple a gagné, le peuple malien a gagné. Bravo à nos soldats, bravo aux militaires, vraiment le peuple a gagné, le peuple a gagné, le peuple a gagné. C'est fini, c'est fini. Alors, film bana, film bana. La tir de sommation continue, la tir de sommation continue. Tous les
ministre de la Djibril Boubacar Keïta, que ce soit les nouveaux et les anciens, ils ont tous été arrêtés par l'armée malienne. Actuellement, là où je vous parle, la situation elle est sous contrôle de l'armée, principalement la nouvelle junte. Amara Mekopi sera sous sera Ibegaga régime. Donc on attend la déclaration de l'armée malienne face à cette arrestation acharneuse contre le régime Ela Djibril Boubacar Keïta. Je salue tous ici mes correspondants qui nous suivent à partir de la radio RTS, de la RTI également, qui prennent nos images et qui les traitent en temps réel. Voilà ce qui se passe. On attend d'abord, on attend l'arrivée. Voilà, la sommation continue au niveau de la place de l'indépendance. La sommation a continué. Tous les généraux ont été arrêtés, tous les ministres, que ce soit l'ancien, nouveau, Tibeka pratiquement, ou Yubemine. Sarasou et Rabou Mouga, reportage. On les voit faire le reportage eux-mêmes. Vous voyez. Où est la caméra fleur au boulot. L'armée, bravo à l'armée malienne, nous sommes actuellement derrière eux. L'armée a pris le contrôle, nous sommes derrière eux. Ni événement, il faut être en top, il y a le camp de la jeune militaire Ferré Bora en pompe. Jeune militaire Bora, ici, ici, vous attendez, c'est le patron de la sécurité d'État, Moussa Diawara Kayoro. Donc allons-y. Moussa Diawara aussi également a été arrêté. Actuellement, nous sommes derrière l'armée. On est en train de prendre les images. Je suis un reporter de guerre. Je suis un reporter de guerre. Nous sommes derrière l'armée comme ça. Et on les félicite d'avoir appris prendre cette responsabilité en flèche au coin et en direct. Dans un instant. Le peuple malien a pris sa liberté. Le peuple a pris sa liberté. Le peuple malien a pris sa liberté face à ce régime dont les gens se plaignaient. Nous sommes avec vous, allez-y. Je suis journaliste, je ne sais pas ce que je vais faire. Il n'y a pas de problème, je m'en charge. Non, non, non.
Donc, je suis un reporter de guerre. J'ai pas peur. On le suit jusqu'à la moelle épinière. Nous sommes derrière l'armée malienne. La police, les gémessiens, ils sont là en propre. Ils sont là. Nous sommes là derrière l'armée malienne, les forces de l'ordre et la police également. Donc ils sont là, ils font des signes. On va vous le montrer. Nous sommes en direct également. Voilà ce qui se passe. Je suis le seul reporter ici présent. Confirmez, partagez au maximum la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne du reporter de guerre. Abonnez-vous maximum. Les sapeurs-pompiers aussi, ils sont là. Donc, allez. Voilà, ça a fait un peu de temps. Il faut que je rentre. Non, je suis journaliste, ça a fait un peu Voilà actuellement l'informateur qui m'informait, l'adjudant chef Traoré de la gendarmerie qui me donnait les informations. Également, l'adjudant chef, je l'ai vu tout de suite, Mira et ainsi ça, ça. L'adjudant chef qui me donnait les informations en temps réel, du moment où on avait la vidéo, il y avait un adjudant chef Traoré, un jeune gendarme qui m'informait en temps réel. L'armée a pris le contrôle là. L'armée a pris le contrôle là. L'armée a pris le contrôle là. L'armée a pris le contrôle. Les tirs et les barres en temps réel. Je suis un journaliste de guerre. Un journaliste à foire. Restez connectés, nous sommes toujours avec l'armée, mais ils sont dans les véhicules, mais nous, nous avons que les motos. Il n'y a eu aucun riposte, frère. Le Pérou aussi, ils sont là. Le pays est sous contrôle des militaires maliens. Je m'en avais marre sur la soupe, là où je vous parle, grâce au mouvement du M5. Qui n'a aménagé aucun effort. M5 qui est Joro, pas de guerre. Pour que militaire ou casseka fort, Kaniko et Nawanea. Je suis un reporter de guerre. I'm a war of journalist. Domicile du président de la République, Ouégata Ibega Gassode. Restez connectés, partagez maximum la vidéo sur IBFI. Abonnez-vous à la chaîne du reporter de guerre. Au moment difficile, là où on met le bol, là où il y a le gaz lacrymogène, c'est là où nous on respire. C'est le reporter de guerre. Le commentaire, nous-mêmes, on va le faire d'abord avant que les gens le fassent. C'est nous-mêmes d'abord les premiers commentateurs. De nos réalisations. Restez toujours connectés. Il se dirige au domicile du président de la République, Ali Djibril Boubacar Keïta. Restez connectés, vous allez vivre même dans leur thème. Je serai dedans. Je vais vous donner les informations requises. Je suis un reporter de guerre. Il se dirige au domicile du président de la République, Ela Djibril Boubacar Keïta, l'ancien chef d'État, l'ancien président Ela Djibril Boubacar Keïta.
Restez connectés. Il y aura du chaud devant. Le domicile du président Idi Ibrahim Boubacar Keïta, des millions de personnes dans la rue vont aller prendre à l'assaut le domicile du président Idi Ibrahim Boubacar Keïta. Restez connectés, suivez en direct. Regardez, le militaire même appelle les gens pour venir au domicile, saccager tout, prendre l'argent du peuple. Voilà, là le peuple, les militaires sont déjà là. Les militaires sont déjà là. Le contrôle avec l'armée malienne, le contrôle, l'armée a pris l'assaut. L'armée a pris l'assaut du pouvoir et ils ont arrêté le ministre du régime, Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont arrêté tous les membres du gouvernement, y compris le chef de l'État. Restez connectés, nous sommes au domicile du président. Je ne sais pas s'ils vont venir le chercher ou bien nous tenons à Minerewa. Je sais pas. Nous sommes au domicile du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Des millions, c'est des millions de Maliens qui sont là. Le journaliste, le reporter de guerre est là pour vous informer en temps réel. Je salue mes partenaires du RTS, de la RTI, de toutes les chaînes. La maison du domicile du président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a été prise d'assaut. Comme vous le voyez, il est gaga soko banabi. On salue l'armée, on salue nos militaires, on les encourage, on les félicite. Bravo l'armée, bravo. Je vous dis que je serai avec ces militaires là jusqu'au dernier degré. Restez connectés, partagez au maximum. Le domicile du président est pris d'assaut. L'arrestation du président qui est en vue. C'est l'arrestation du président, je crois, qui est en vue. Nous sommes là. Nous sommes présents. Nous sommes présents. Et pour vivre, voilà le sergent-chef Tamboura qui a été arrêté. Tamboura, ça va? On a appris que tu as été arrêté. Non, pour le moment. Mais ça va. Pour le moment, je n'ai pas été arrêté. D'accord. Je suis là. D'accord. Donc, pour le moment, d'accord. Ça va pouvoir. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec nos forces de l'ordre devant le domicile. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Le peuple malien est fatigué, mais Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allah a hiné Bamatola. Allah a mali Bobolola. C'est le moment de parler. Vas-y.
ne bɛ n fa ni n ba fo n bɛ maliyɛn den bɛɛ fo an kun ye kɛlɛ min daminɛ ni barika kɛlɛ ni dugawu kɛlɛ de don mais n bɛ n tɛ se ka kuma denmisɛnninw kɔ la jeunesse denmisɛnninw qui ont fait confiance à moi je dis que merci aujourd'hui c'est un autre jour pour le Mali déjà on retrouve liberté donc pour le moment je suis le reporter de guerre sur la lune donc nous sommes les militaires non moi j'ai deux casquettes j'ai la casquette M5NFP j'ai la casquette des forces devant de sécurité donc pour le moment partagez maximum nous sommes devant le domicile du président les pays là on va sauver ces pays là aucun intrus ne va prendre ces pays là en otage et on est prêt à mourir c'est déjà fini pour ce régime incompétent limité merci Siri donc actuellement nous sommes devant le domicile du président. D'accord, bon, on va s'arrêter là. Mais nous sommes devant. C'est bon, nous allons s'arrêter là. Mais on va faire le combat, on va faire l'interview en direct et on va les suivre en direct. Affichez les femmes banagaba, affichez le corps là, ma banaba. Affichez les maba, femme banagaba. Ah, ma banaba. Affichez le corps là, femme banagaba. Affichez les mêmes mots là. Allez-y. Ok, salam alaikum alaikum bela chamana musuma. Comment on y arrive à la tournée? On est devant. An be bɔ yɛrɛ ka so dɔ de la yan nɔ sɛbɛnni kɔrɔ an ka sɔrɔlaw yɛrɛ bɛ yan nɔ an ka finitigiw an ka cɛw olu yɛrɛ b'an cɛla yan nɔ maliyɛn bɛɛ tun bɛ ka laɲini min ɲini bi o de kɛlen filɛ nin ye bi an bolo yan nɔ i m'a faamuya n'i y'a jateminɛ depuis fanga in sigila fanga in ma kɛ fanga ye bi i bɛ ka fanga dagajɛlɛ fanga a taara ka bɔ a kunna bi fo i kun ma RSI ale kan ka bila kungo la ko c'est pour le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple voilà merci. Ok, nous sommes là. La jeunesse aussi engagée. Zimbo. Oh, Zimbo. Je suis le reporter de guerre. Je suis le reporter de guerre. Comme vous le constatez, l'armée a pris l'assaut final. L'armée a pris l'assaut final face à ce régime qui était là à terroriser la population. Un régime sous les ordres. Et c'est un régime également qui n'avait laissé les Maliens qui mentaient. Les Maliens. Ça y est, beaucoup, mesdames. Vous voyez, donc nous sommes avec nos frères militaires. L'armée a pris le contrôle du pouvoir. Un pouvoir dictatorial, un pouvoir qui était là pour seulement asservir quelques-uns. Aujourd'hui, nous sommes là. La famille présidentielle, je crois, on a nous fait, avant que la déclaration s'efface. Restez connectés sur IBC, le journaliste de guerre. I'm a journalist of war. L'armée aujourd'hui a pris le contrôle. L'armée a pris le contrôle du pouvoir du régime El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la finition. Les généraux, pratiquement, les Salif, les Moussa Diawara, pratiquement, tout le monde a été arrêté. Donc, pratiquement tous les généraux ont été arrêtés, pratiquement la majeure partie. Les généraux qui étaient dans le gouvernement de l'Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont été pratiquement tous arrêtés. Les anciens ministres de l'Hadji Ibrahim Boubacar Keïta également ont été arrêtés. Voilà nos militaires, nos vaillants soldats, les soldats qui se sacrifient à longueur de journée. Oh,
Il y a le grand frère Bijou aussi qui est là, qui n'a pas manqué l'événement. Là où aujourd'hui, c'est un grand frère du quartier, il s'appelle Bijou, et l'entraîneur également du SFAS, il est présent actuellement. Et voilà, restez toujours connectés. Ouais, ça va. Ok, comment imagine tes choses. On va, très bien. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, comme vous le constatez sur IBC, nos forces de l'ordre sont venues en pompe et très déterminées à prendre le pouvoir et le contrôle de ce régime fasciste, de ce régime qui ne faisait que souffrir les Maliens en temps réel, les ministres, les anciens ministres, les anciens généraux du régime El Hadji Birim Boubacar Keïta ont été tous arrêtés à Sorassou, Naam Ministrou. Embarquez. Nous sommes là avec nos forces de l'ordre, nous sommes là avec nos frères, nous sommes là avec nos frères militaires, nous sommes là également avec les policiers qui nous mataient, mais aujourd'hui qu'on est ensemble, c'est ça la révolution, c'est ça la démocratie. C'était la base de la discipline qui faisait la force principale des armées. Il importe que tout supérieur obtienne cette subordonnée, une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Donc l'ordre était donné d'en haut. Donc voilà, tous les grands régimes, les personnalités de ces pays ont été arrêtés. Aujourd'hui, l'armée prend le contrôle du pouvoir. Nos forces de l'ordre, ils prennent le contrôle du pouvoir. Nous sommes à 12 000 téléspectateurs, mais je veux 100 000 téléspectateurs en live qui nous regardent. Partagez un maximum. Vous êtes sur la page du journaliste, reporter de guerre IBC. Tiens-moi l'avocat, Bougie. Donc, nous sommes là. IBC est présent. Le pouvoir de Moribo Keïta a été tombé un mardi. Le pouvoir de Moussa a tombé un mardi. Le pouvoir a été mardi. Aujourd'hui, le pouvoir de El Hadji Birim Boubacar Keïta est tombé ce mardi également. Vas-y, deux mots. Merci infiniment à la presse. Mais on se réserve d'abord. Il y a des tendances, il y a des chefs guides qui sont en train de voir à l'intérieur d'abord. On les suit. On ne peut rien déclarer pour le moment. Merci. Merci. Comme vous le constatez, IBC en temps réel, IBC, votre chaîne, votre média d'actualité. L'armée a pris le contrôle du pouvoir. Le pouvoir n'est plus à IBK, c'est fini pour IBK et son régime dictatorial selon les Maliens. Voilà aujourd'hui l'armée. Je suis à 13 000, mais je veux 20 000. Je veux 50 000 téléspectateurs en live. Les hommes sortent de chez le président. Je ne sais pas ce qui s'est convenu, mais on va gagner en Wélé. Vous êtes sur la page du reporter de guerre. Restez connectés. Nous sommes avec nos vaillants soldats qui sont venus libérer le Mali. Il y a même le douanier Issou qui est là, c'est un grand vétéran de la police, c'est un grand frère aussi. Issou Fofana qui a été tellement radié à la police à travers ses luttes syndicales. L'armée a pris le contrôle du pouvoir. Nous sommes devant chez IBK. L'armée a pris le contrôle du pouvoir. Tous les généraux, les ministres corrompus, pratiquement tous les gouvernements sont aux frais actuellement. Vous êtes sur IBC, partagez maximum la vidéo, le journaliste reporter de guerre. Là où il y a les balles, c'est là-bas où que je veux. Mais pourtant, je n'ai pas l'armée. Voilà, restez connectés toujours. Nous sommes là et nous allons vivre ce moment avec ces hommes jusqu'à la finale. On ne va pas les quitter des yeux. Regardez les informations à temps réel. Jusqu'à devant l'ORTM. Commandant, deux mots, je vous en prie. D'accord, le commandant dit qu'il ne veut pas intervenir.
Ibeka, il paraît que les militaires vont aller le prendre. Ils vont faire les tours pour aller récupérer, cueillir le président El Hadji Birim Boubacar Keïta. Ibeka tourte, Ibeka est confessé à faire. Pour Ibeka est confessé à faire, mais pour Ibeka est confessé à faire. Ibeka est confessé à faire. Ibeka Koumbe, il a fait le tour, il a changé de cap. Tiens, mes motos là. Je vais aller. Non, mon collègue, ouais, ouais. Nous sommes avec nos frères. Actuellement, là où je vous parle, l'armée a pris le contrôle. L'armée a pris le contrôle du pouvoir. Tous les généraux ont été arrêtés également. Les généraux, les Moussa Diawara, les général Salif, ils sont tous aux arrêts. Les anciens ministres également, ils sont tous aux arrêts. Bravo à l'armée. On les félicite d'avoir délibéré le peuple face à ce régime tyran. Restez connectés. Nous voulons 20 000, 50 000 téléspectateurs en live. Vous êtes sur la page du reporter de guerre. Vous êtes sur la page du journaliste reporter de guerre. Là où c'est chaud, c'est là où on part. Rasmo. Erasmo! Partagez maximum la vidéo et abonnez-vous sur IBC, désormais votre reporter de guerre en temps réel. Allez, on a mis gros, l'armée a pris le contrôle du pouvoir Ibeka. Et là, tu as terminé. Allez, vu le là-bas.
Nigériane, pardon. Neuf les L'armée a pris le contrôle. Vivez cet instant. L'armée a pris le contrôle du pouvoir. Elle a dit Birim Boakar Keïta. L'armée a pris le contrôle.